Bonjour! Ok, il n'y a pas beaucoup de place. Là, je suis en train de me préparer. Il faut que j'aille à l'épicerie. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire mon petit plan de match. Qu'en fait, j'ai rien de prévu. Il faut que j'aille faire une mini épicerie parce que ben, j'ai pas grand chose. Puis. Oh! Puis. Je vais essayer la recette de Jean-Philippe. C'est genre une sandwich au poulet, sauf que c'est pas du vrai poulet. Mais ça a l'air tellement bon. Fait que je vais récolter les ingrédients. Puis, je vais faire un lavage aussi parce que là, il faut que je lave mon tablier et tout plus l'écureuil mort. D'avoir baigné dedans pendant 10 heures hier. Puis, c'est ça. Sinon, j'avais prévu aller à mon. J'avais genre un cours d'information en ligne. Mais j'ai choqué. Je vais y aller demain. Demain, c'est l'avant-dernière journée qu'il donne. Ça fait 2 semaines que je suis toujours pas allée. Mais genre, la semaine passée, j'avais pas le temps, mais aujourd'hui, j'avais le temps. En tout cas. Sinon, il faudrait que j'aille chercher mes livres de cégep avant que le cégep commence. Sauf que. Voyons. Sauf que. Je peux pas, j'ai pas le temps. Fait que c'est ça. Là, je vais me mettre des papiers puis on va y aller. Fait que là, je m'apprête à révisionner la vidéo de la recette à Jean-Philippe. Puis je vais noter les ingrédients ici avec mes nouvelles fournitures. Et ensuite, je vais aller à l'épicerie. Okay. Fait que je vais faire des tortillas. Ben, tu sais, ça va être dans des tortillas avec une tranche de laitue. Puis c'est ça. J'ai quand même. Ça me tente pas d'acheter tous les ingrédients pour le poulet, entre guillemets. Parce que, genre, c'est tout plein d'affaires que j'ai pas, là. Genre. La poudre d'ail, la poudre de sel de céleri, de la poudre d'oignon. La poudre, en tout cas. Fait que c'est ça. Je vais faire avec ce que j'ai. Puis sinon, avec les restants de mes tortillas, demain, je vais faire des pizza pita. Avec ça. Puis fouillez-moi pourquoi. Moi, j'ai tout le temps l'impression que poivron, ça prend E. Genre. Je sais que ça prend pas E, mais chaque fois que j'écris avec un E. Poivron. Poivron. En tout cas. Je sais pas pourquoi, mais là, je m'en suis rendu compte encore après l'avoir écrit. Bye! Je vais aller pisser. Juste vous dire que, premièrement, je vais avec mes cougounes. Puis, deuxièmement, j'ai tout en peur quand je vais dehors que notre stalker me suive, genre. Ok, fait qu'il est 11h pile, je viens de revenir de l'épicerie. C'est important que ça m'a pris, genre, juste 20 minutes aller-retour. Fait que là, je m'en vais faire mon lavage et que ça presse. Et que ça saute, ça presse. Fait que. Je vais déposer mon sel, puis c'est ça. Après, je vais faire un haul de d'accord, nous voilà maintenant 11h05, à moins qu'il soit rendu 6, mais bon, c'est pas important. Je vais faire mon haul d'épicerie, j'espère que vous m'entendez, je crie parce qu'il y a la laveuse qui fait beaucoup de bruit. Fait que, premièrement, je voudrais vous dire que j'ai été full bonne. J'ai rien acheté d'autre que ce qui était sur ma liste, ni moins ni plus. Exactement ce dont j'avais besoin. J'ai acheté un poivron rouge, un petit bout de fromage. Tu sais, on part 4 jours. Je vais pas acheter des trucs puis avoir peur que je vais pas bien après. Ça pour faire ma recette, là, des haricots blancs. Ensuite, c'est tout pour mon sac. J'ai acheté du tortillas comme ça, mais c'était quelque chose pour 5$, genre. 2 pour 5, c'est ça. Fait que si j'en prenais 2, il y avait plein de rabais. Ça fait que j'en ai pris 2. Ça compte pas pour plus, là. Je vais faire autre chose avec. Puis, ça sent trop bon. Puis, au lieu de la laitue, j'ai acheté du kale. Puis, tantôt, on va faire des chips de kale, ok? Depuis tout le temps que j'en rêve. Des petits oignons. Ils sont tout petits, ils sont trop cute. Vous voyez pas à quel point ils sont petits, là, mais genre, lui, il est comme 7 cm de haut. C'est trop cute. Puis, dernière affaire, de la sauce à pizza et du jus. En tout cas, il y a du jus qui coule. Fait que voilà, je vais ranger ça puis on va se mettre. Vous oubliez de mentionner, moi dans ma tête, ça allait genre être 35-40$ parce que c'est tout le temps plus cher que ce qu'on pense. Mais non, ah, je sais, c'était quoi le jus, c'était ça, il y a un peu de condensation. Non, ça m'a coûté 17$ pile. Fait que je suis vraiment contente.
Ok. D'ailleurs, j'avais oublié qu'il fallait du jus de citron, fait que j'ai pas acheté du citron, mais j'ai trouvé dans la partie à l'une du jus de citron, fait qu'on peut l'enlever. J'ai tellement peur que ça marche pas parce que dans la recette de Jean-Philippe, lui il mettait ça dans un blender. Parce que moi j'ai pas de blender, j'ai nouvellement ça. Est-ce que ça va marcher, vous pensez? Ou les beans sont trop dures? C'est ce qu'on va voir! J'ai agréablement surprise. Regardez, après genre 15 secondes, ça donne ça. Puis ça sent. Genre, tu sais, les petites sandwichs au poulet là, mous là. Ça va être ça, genre. Ça a l'air trop bon! Puis là, je vais ajouter. Je pense que je vais ajouter. Je vais prendre une main. Du feta, comme ça, ça va donner du salé. Puis dans la recette, il y a de la levure alimentaire. Je me suis dit que je vais remplacer ça par du fromage. Fait que c'est ce que je vais faire. Puis je vais mettre ça le poivre. Peut-être un petit peu d'épices, mais je sais pas qu'est-ce que j'ai comme épices. Vous comprenez pas à quel point c'est bon? Genre. C'est genre la mousse de poulet dans les petits sandwichs, comme je viens de dire. Genre, je mangerais ça avec claque. Comme repas. C'est trop bon. Fait que prochaine étape, on fait les chips de kale. J'ai hâte. Ok, fait que je vais prendre, mettons, deux feuilles de kale. Je vais les laver, puis je vais filmer en accéléré, d'accord? Ok, donc j'ai en main mon pain pita, un petit peu de kale préalablement lavé, puis ma boîte de bine. Hey, d'ailleurs, Cam, est-ce que c'était ça la boîte de bine? Bref, Cam ne répond pas. On va commencer le montage. Là, il y a une mouche qui tourne autour, c'est bon. Je sais pas combien en mettre. Ça doit faire péter. J'en veux encore plus, je veux. Est-ce qu'il manque de quoi? J'ai l'impression qu'il manque de quoi. C'est vrai, genre du fromage, mais ça me tente pas d'aller en mettre. Pas bonne la tête. Et voilà, je m'en suis pas tirée si mal. Donc on va faire la dégustation. Ok, donc premièrement, c'est vraiment bon. Sauf que la texture du kale est trop dure à mâcher. Là. Après ma bouchée, c'est... j'ai soufflé de la mâchoire. Mais il faut dire que le gros morceau est venu au complet. Fait que bref, c'est ça. C'est bon. Je vous conseille. Ça, c'est bien. Je mange. Ah! Fait que mes chips sont prêtes. Les voilà. On va goûter. Ben, j'ai déjà goûté. Je voulais goûter, manger. Ouais, mais je pense que c'est trop salé. Parce que j'ai mis pas de huile, puis pas de sel. Wow, j'aime la texture. Ben, tu sais, j'en rappelle pas, mais c'est bon. J'aime pas comme ça. Ouais. C'est pas particulièrement bon, mais comme. C'est pas mauvais. Mais genre, j'en veux plus encore et encore si je suis allée. Je vais faire le montage. Quand il y a une.
T'es en retard de 4 minutes. J'ai commencé mon montage, je crois bien. Peut-être que je pourrais même le mettre tout de suite, le partie 1. J'espère que c'est pas déjà plus que 15. Bon, je vous laisse. Il est midi 6, ça c'est moi qui m'apprête à commencer le montage. Puis je voulais juste vous dire que je vais manger ça comme le mien. Sauf que le mien il est commencé. Ah! J'ai du poivre. À tantôt.